Il y a une lettre de Victor Hugo à Baudelaire. Quand Hugo est à Guernesey, Baudelaire lui envoie ses fleurs du mal. Baudelaire avait une admiration à une certaine période complètement démente à l'égard de Victor Hugo. Ces deux poètes qui ont vraiment rien à voir. Il y en a, bon, enfin bon. Et donc, Hugo répond à Baudelaire ayant reçu les fleurs du mal. « J'ai reçu, monsieur, votre noble lettre et votre beau livre. L'art est comme l'azur, c'est le champ infini. Vous venez de le prouver. Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Continuez. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Et permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. » Une de ces rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale. C'est là une couronne de plus. Je vous serre la main, poète Victor Hugo. Et je crois qu'il lui avait envoyé en premier « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. » Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude de villes, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher nos défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée. Surgir du fond de l'eau, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche et comme un long linceul traînant à l'Orient. Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche. Voilà ce qu'écrivait Baudelaire à Victor Hugo.